Nous étions au Sénégal où on parlait donc de Ousmane Sonko qui a passé sa première nuit de garde à vue. L'homme est accusé de troubles à l'ordre public et de participation à une manifestation interdite. Thierry Afanko, on ne va pas l'oublier. L'affaire qui vaut à Ousmane Sonko s'est démêlée aujourd'hui. C'est une accusation de viol répétitif et avec menace d'armes à feu. Il y a les médias sénégalais qui ont fait un travail extraordinaire qui est d'aller un peu dans la vie de celles qui accusent. J'en discutais hier d'ailleurs avec notre éditorialiste qui est sénégalais, qui sont allés poser des questions à la patronne du salon. Il paraît qu'à chaque fois qu'Ousmane Sonko vient au salon, la jeune fille n'est pas seule avec lui. Il y a une autre jeune dame. La patronne dit, cette jeune fille, c'est une menteuse. Elle est voleuse, elle vole tout le temps mon argent, elle ment tout le temps. On est allé interroger une des tantes de la jeune dame qui a dit la même chose de cette jeune dame. Donc finalement, on a l'impression qu'on a cousu une affaire oui. qui, devant un tribunal, va tomber comme un château voilà. de cartes. Et il faut passer par d'autres moyens. Oui, je crois l'avoir dit que le premier chef d'accusation peut-être n'est pas aussi solide, n'est pas aussi constitué que ça. Donc, on a vite fait de lui coller deux autres chefs d'accusation, histoire de le mettre derrière les barreaux. Et vous voyez, tout ça là, c'est pour cela, au début aussi, je disais que nous devrons apprendre à faire la politique de façon civilisée. Alors, quand vous disiez tantôt que ce n'est pas ce qui se passe actuellement n'est pas propre à l'Afrique, que ça se passe aussi sous d'autres cieux, malheureusement ou heureusement, ça ne se passe pas de cette façon-là. Parce que et quand Vimet disait que ça se passe pas de cette façon. Là, mais là, c'est des faits réels. Les faits se sont réellement passés. Peut-être seulement que la justice ne s'est pas intéressée à la chose en ce moment. Maintenant, quand il y a des enjeux politiques et les taureaux, c'est en ce moment qu'on on suscite le dossier. Donc, c'est différent. Vous voyez ici, à peine on a commencé, on se rend compte que avec le premier chef d'accusation, on ne peut pas coffrer le gars, donc on le guette. Et quand il y a eu cette manifestation spontanée, je crois d'ailleurs dans nos tests, ici au Togo, ça devait être également le cas au Sénégal, il y a des manifestations spontanées. Alors, on ne pourra pas dire que, parce qu'il y a eu des manifestations spontanées, qu'il est forcément à la base de ce qui s'est passé. Même pour ce chef d'accusation, je me dis que le pouvoir aura des soucis pour étayer, pour soutenir cette accusation-là. Peut-être, comme il y a eu des casses, des tirs et autres là, peut-être c'est avec ça qu'on va remplir le dossier, mais je ne vois pas que ça soit aussi consistant pour faire tomber Ousmane Sonko. Donc, vous avez vu que ce n'est pour rien aussi qu'il refusait d'aller, de répondre à la convocation du juge, parce qu'il se sent blessé. Parce que ici même, avec Chris, je crois, on en a parlé. Du moment où le viol, on dit, cela a été répété. Comment comprenez-vous qu'on vous viole? Vous m'excusez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et vous n'avez jamais réagi. Vous acceptez, vous consentez, subir cela, et c'est maintenant que vous trouvez. Il y en a qui disent que une femme violée puisse s'exprimer, il lui faut une sacrée dose de courage. Ah non. Quand vous travaillez, voilà que la patronne du salon ne lui apporte pas son soutien. Là, il y a un réel problème. Parce que quand vous travaillez dans une entreprise donnée, même si l'hiérarchie, vous n'arrivez pas à porter ce que vous subissez et au niveau de l'hiérarchie, vous aurez des collègues avec qui forcément vous allez partager les conditions dans lesquelles vous exercez. Actuellement, elle n'a aucun soutien au niveau du salon. Donc, il y a un réel problème. Donc, je me dis que si jamais le pouvoir n'arrive pas, avec cette affaire-là, à mettre Ousmane Sonko derrière les barreaux,
je crois que le monsieur, il est bien parti pour devenir le prochain président du Sénégal. Oui, non, je voudrais revenir un peu sur ce que mon confrère disait tout à l'heure, parce que là, il était entré dans la tête de Macky Sall pour dire que, ben voilà, voici la façon dont il parle. Ça, c'est peut-être vrai. Il essaie de le comprendre. Mais je crois que la meilleure façon de faire la politique pour susciter quand même l'envie de l'opinion, ce n'est pas celle-là. Et puis, Thierry Afanko était revenu sur le fait que les faits qui dérangent. Par exemple, quand on parle de Fillon Gate et de son. C'est des faits constitués. Mais seulement, c'est que. En France, par exemple, tu ne peux pas. La presse ne peut pas révéler, par exemple, ces faits sans que la justice s'en saisisse. Voilà. Mais aux États-Unis, par exemple, lorsqu'on est. Comme on le dit, on est né président. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un parcours pour devenir président, il faut avoir un parcours propre. Il faut faire en sorte de ne pas accumuler. Vous avez vu le problème que le gouverneur de New York a actuellement avec cette histoire d'harcèlement sexuel et autres. Voilà, c'est comme ça. Imaginez que quand le président, le Kenya. Le président américain. Barack Obama était devenu président. On a tenté de le salir. On a fouillé dans son passé. On a voulu le faire passer comme un djihadiste, comme un musulman. On a voulu le faire passer comme quelqu'un qui n'est pas né sur le sol américain parce qu'il y a une loi quand même dans ça pour dire qu'il faut vérifier toutes ces choses pour ne pas amener au pouvoir quelqu'un qui ne soit pas un Américain. On a fouillé dans sa vie. On n'a pratiquement rien trouvé. Mais ça ce ne sera pas le cas. Par exemple, en France, généralement, où on peut être sale, mais on peut quand même devenir. Mais je crois que les habitudes sont en train de changer aussi en France, de telle sorte que si vous-même, vous avez un passé comme ça, vous êtes de s'éloigner de la politique. Parce qu'on attendra le moment qu'il faut pour vous sortir ces dossiers. Ce n'est pas l'instrumentalisation de la justice, à mon sens, mais c'est parce que ceux qui sont très subtils en politique, ils attendent de que vous soyez en pole position pour vous sortir ces dossiers-là. Et maintenant, lorsque ces dossiers sortent, ce n'est pas comme dans les pays africains où la presse a beau fait de dénoncer des faits, personne ne dit rien. En France, on ne peut pas sortir des faits comme ça et que la justice ne réagit pas. On va se dire, mais pourquoi cela se passe ainsi? Je crois que les politiques en France savent que ces situations-là se passent de cette façon. On a sorti, on a fait tomber Desca, on a fait tomber Fillon, comme on a fait tomber d'autres avant. C'était à des fins politiques. Oui, mais cela dit, on utilise des faits constitués. Mais c'est qu'en Afrique, c'est sur la base des faits parfois inventés. C'est ça la différence. Et puis la différence là n'est pas tenue, c'est une différence énorme. Si ailleurs on utilise des faits constitués pour affaiblir un candidat, c'est que sur les tropiques, on crée ces faits-là, et c'est le cas. Et c'est ce que nous constatons, par exemple, au Sénégal. On a parlé d'abord de viol, et on a vu que les faits-là ne sont pas solides. Et on le verra tout à l'heure pour le cas Madougou aussi. C'est aujourd'hui qu'on découvre qu'elle est terroriste, etc. C'est un peu tiré par les cheveux. Tout ça, c'est la politique. Oui, c'est ce que nous disons. Mais à la différence que certains utilisent des faits fondés et d'autres utilisent des faits inventés. Mais tout ça, là aussi, c'est politique. Le fait d'utiliser les faits qui n'existent pas, c'est aussi la politique. Les faits qui ne sont pas réels. Mais regardez par exemple, je vais revenir un peu sur l'affaire Desca. Est-ce que l'affaire Desca, cette affaire-là, elle a existé vraiment? Ben c'est qu'il y a eu au moins rencontre. Oui. Il y a eu au moins rencontre, mais c'est que Desca n'a pas été attentionné. Oui. Et puis il y a un problème de communication. Il a perdu au début la bataille de la communication d'ESCA parce que c'est allé plus vite. Le temps pour lui de s'organiser. Et puis c'est après qu'il s'est rendu compte que c'était une affaire bien montée. Parce que dans cette affaire, on parle de fellation, tout ça. Mais c'est-à-dire que vous parlez de viol et vous parlez aussi de fellation. Vous imaginez? C'est là où il y a des observateurs qui se sont dit, mais qu'il y a quelque chose dans cette affaire. Donc c'est une affaire en réalité, bien sûr. Quand on veut parler de viol dans l'affaire de Desca Nafissatou Diallo, l'affaire au fond n'a jamais existé. Non, seulement que Desca, même en prêtant franc,
à ces gens de pratiques. Oui, donc mais, c'est vite mais, fait qu'on puisse l'emballer. Mais ça, mais c'est pour vous dire toujours aussi que ce n'est pas toujours vérifié, même dans les pays occidentaux ou dans les pays orientaux. Non, tu as pris peut-être le cas le moins évident. Mais on a parlé aussi de Fillon. On a parlé même de Sarkozy. On sait très bien que lorsque Sarkozy se défend, comme quoi il n'a jamais fait ceci, il n'a jamais fait là que c'est même quand Balladur, ou le cas Balladur qu'on vient d'acquitter. Voilà. Mais on ne peut pas dire que tout ça là est semblable à un ballon de baudruche, que ce qui se dégonfle comme ça sans que personne l'ait touché. On sait toujours que parfois, on poursuit comme ça des présidents, mais pour ne pas salir leur mémoire. Mais on les poursuit, l'affaire dure très longtemps, pour finir en un non-lieu. Ça, on sait que la justice française est coutumière du fait de poursuivre pendant plusieurs années un ancien président ou bien quelqu'un qui soit très bien placé dans la hiérarchie politique et puis finalement l'affaire finit tout simplement en vain. Mais c'est ce qui s'est passé encore aujourd'hui avec Balladur. Ça a été un dossier très sérieux. On ne peut pas imaginer que celui-là sorte de cette affaire-là sans y laisser des poils. On parle de Sarkozy qu'on a condamné pour 3 ans avec un enferme, avec tout ce que l'affaire-là a, toutes les révélations qu'on a eues cette affaire, on ne peut pas imaginer. Et puis, il y a encore d'autres affaires qui vont suivre pour Sarkozy. Vous voyez, mais vous verrez que tout cela va se pousser, puis finalement, on finit par un non-lieu, par quelque chose comme ça. C'est ça qui est bizarre. On va passer à une autre affaire de justice. Nous sommes toujours sur le continent, bien sûr. On passe du Sénégal au Bénin maintenant. On va parler de Rekia Madougou, qui est dans les nas de la criette. La police républicaine a arrêté en début de soirée, ce mercredi 3 mars, à Porto Novo, Rekia Madougou, candidate recalée à la présidentielle du 11 avril prochain. C'était la candidate du parti Les Démocrates, le parti de l'ancien président Boni Yayi. Rekia Madougou venait d'achever une conférence publique avec d'autres candidats de l'opposition, dont les dossiers ont également été rejetés, parmi lesquels Joël Aivor, le constitutionnaliste. Elle était en route pour Cotonou quand elle a été interpellée sur le pont entre Porto Novo et Cotonou. Elle a été entendue donc au niveau de la criette. Je suis en train de suivre les informations et à l'heure actuelle, au moment où nous enregistrons cette émission, selon les informations, c'est qu'elle est en route vers Cotonou pour une perquisition à son domicile. Thierry Afanoukoué, est-ce qu'on est dans une affaire sérieuse? Ah non, parce que Rekia Madougou, bien avant Rekia Madougou, je crois que il y a des Béninois plus nantis et plus assis politiquement parlant pour attenter à l'État, à la sûreté de l'État. Parce que c'est le chef d'accusation qui est en train d'être retenu contre elle, puisque le procureur spécial a tenu un point de presse où il a fait le point de la situation. Alors, il faut dire que peut-être Talon n'a pas vu Rekia Madougou venir. Parce que quand il était là, ses premières années, il a travaillé à écarter les plus importants, les plus gênants. Je vais parler de Ajavon et autres. Même Yayi Boni qui voulait le déranger pendant les dernières législatives. Il a su... l'autre là, qui est en Espagne aujourd'hui, je crois, un ancien ministre de... Voilà, Komi Kountché, tout ça là. Mais peut-être qu'il n'a pas vu Rekia venir. Et vous avez vu, depuis que Rekia s'est lancée dans cette bataille-là, elle devient de plus en plus gênante. Et heureusement ou malheureusement, c'est une dame qui intéresse pas mal de Béninois, qui mobilise, parce que bien que sa candidature a été rejetée, quand vous suivez ses différentes activités, vous vous rendez compte qu'elle mobilise toujours. Alors, Talon, peut-être, a priori, il a déjà gagné les élections d'avril prochain, mais il se dit peut-être à quel taux. Parce que le travail que Rekia et son équipe sont en train de faire sur le terrain actuellement, et Talon peut-être a peur que cela peut retourner
contre lui. Donc, du coup, Rekia devient gênante. Il faut passer par tous les moyens pour l'arrêter. Dans l'accusation ou dans ce que le procureur a raconté, on parle du fait qu'il y a de l'argent qui a été donné. En tout cas, un des proches collaborateurs de Rekia a remis de l'argent à un ancien colonel et qu'il y a un projet pour semer... L'assassinat de deux personnalités. Voilà, tout ça là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, c'est du léger. C'est malheureusement le Bénin, l'image que le Bénin est en train de renvoyer ces dernières semaines n'est pas une bonne image. Je crois que Talon doit trouver mieux que ce qu'il est en train de faire. Et il faut dire qu'il risque d'avoir aussi pas mal de problèmes avec ses pères de la sous-région. Parce que Rekia Madougou, ce n'est pas n'importe qui. C'est une dame de réseau. C'est une dame qui a fait beaucoup de palais au niveau de la sous-région et au-delà même de la sous-région. Donc, il faudrait qu'on puisse apaiser les choses pour qu'on puisse libérer la dame et qu'on organise les élections calmement. Mais Chris Sega, est-ce qu'on est en train de dire que Rekia Madougou est une enfant de cœur? Une enfant de cœur, ben, il n'est pas besoin d'être enfant de cœur. C'est ce que je dis. On n'a pas besoin d'être enfant de cœur pour aller à la politique, mais pour devenir président. Vous comprenez? Mais de toute façon, il faut qu'il n'y ait que les faits pour dire qui elle est. Si elle est vraiment fautive, et si elle a vraiment commis les faits qu'on lui reproche, vous comprenez? Mais ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est que c'est vrai, Thierry Afankoué le dit, que le président Talon ne l'a pas vu venir. Mais au moins, le président Talon se montre plus malin que le président qu'il avait remplacé, c'est-à-dire Yahi Boni, en se disant que, ben voilà, il ne va pas lui laisser le temps de s'asseoir. Parce que lorsque on lui laisse le temps de s'asseoir, elle va se faire une place plus grande. Oui. Vous comprenez? Donc, tout de suite, il sait, M. Talon sait que Rekia Madougou ne va pas se présenter à l'élection pour ce rendez-vous-ci, mais seulement la dame est en train de faire en ce moment un travail de démolissement de l'image de Talon, et puis ça peut avoir un effet d'entraînement, un effet d'entraînement en ce sens que qui sait ce qui peut se passer d'ici là, si Rekia Madougou ne va pas être maintenant l'allumette qui met le feu aux poudres, parce que vous savez, la situation est très tendue au Bénin, la situation est très éthérée. Donc, il suffit seulement d'un craquement de tir d'allumette pour que tout s'embrase. Et que maintenant, celui qui peut incarner cette bataille-là, qui peut être le chef de file pour entraîner ceux qui, aujourd'hui, ne se montrent plus très volontaires, très enthousiastes pour aller contre Macron. Je crois qu'ils ont trouvé peut-être aujourd'hui un chef ou bien une chef de file pour les entraîner. Je crois que c'est ce à quoi Talon est en train de penser. Et puis, je voudrais ajouter que Rekia a quand même quelques atouts. Le premier atout, c'est qu'elle a de l'image. Voilà. C'est-à-dire qu'elle incarne quand même, elle a une forme d'image qui fait que les gens ont envie, elle est télégénique, les gens ont envie de la voir parler. Et puis, le deuxième atout, c'est qu'elle est dans la communication, elle sait parler aux foules, elle sait dire ce qui plaît aux foules. Et le troisième atout, qui n'est pas le moins sérieux, c'est qu'elle a une carnet d'adresse et elle a les moyens. Elle sait de qui tenir. Elle tient, par exemple, de l'ancien président Yahi Boni, qui déjà est quand même, elle peut être quelqu'un qui l'épaule de par les moyens, l'énorme moyen financier dont il dispose. Elle-même a été ministre, donc elle a dû engranger, et puis elle est quand même une experte, quelqu'un qui est consultant dans plusieurs matières, et vous savez très bien qu'elle est au Togo depuis quelques années. Oui, conseiller spécial du président, vous comprenez que ce qui avait dérangé déjà le président Yahi Boni, c'est Talon, parce que Talon, il avait les moyens, et qui d'autre aussi, Adjavon, lui aussi, il a les moyens. Je crois que Rekia Madougou, Talon l'a senti, qu'elle a des atouts, et ces atouts-là peuvent l'aider à faire ce travail sous Yahi Boni. Voilà. Aujourd'hui, les démêlés de Rekia Madougou, c'est vrai qu'on sait que dans la course à la présidentielle, elle est écartée,
mais c'est que on doit l'anéantir pour qu'elle ne soit pas une entorse à peut-être la victoire éclatante qu'on voudrait avoir. Non, requiert une entorse à la victoire. Moi, je ne vois pas les choses sous cet angle, hein, parce que. On a écouté hier quand elle était en meeting, les propos qu'elle a tenus, c'est que nous allons. Elle est très dure. C'est ça que je disais, c'est pas une enfant de cœur. Hein. Non, c'est pas une enfant. Non, elle est capable de non, du moment où elle est politicienne. Moi, quand j'ai suivi ce matin qu'elle était arrêtée, tout ça, moi, je dis à vous, c'est la politique, elle s'attendait à ça. Et puis, peut-être, cette petite parenthèse, peut-être, totalement, on va se dire, bon, même au Togo, on arrête les femmes, on les amène au SRIC, donc on peut arrêter aussi Riki Amadougou, on l'amène au CRIEC, donc il n'y a aucun problème à ce niveau. Donc, je pense que Talon s'est un peu inspiré de ce qui s'est passé au Togo, donc il sait que sur ce point, personne ne peut lui reprocher un certain nombre de choses. Mais là, La deuxième chose, moi, je ne vois pas les choses sous cet angle. Moi, je dis que Talon, il y a les moyens. Donc, quelqu'un qui fait fuir ou qui fait exiler les opposants, quelqu'un qui emprisonne les journalistes, quelqu'un qui met la main sur les défenseurs de droits de l'homme, cette personne-là, elle peut facilement voler les élections, organiser les élections comme bon lui semble, comme les législatives, et les organiser lui seul. Et on ne sait exactement comment ça s'est passé, mais c'est son parti qui est devenu, qui a la majorité de l'Assemblée nationale. Donc, il peut passer par tous les moyens pour organiser les élections. Et les gagner. Donc, Riki Amadougou, une menace. Non, moi, je pense que Talon est en train de régler des comptes au chef d'État, au réseau de Riki Amadougou. C'est comme Talon se dit, c'est moi le chef. Tu peux avoir tous les canets d'adresse, tu peux avoir des hommes puissants derrière toi, tu peux avoir un fonds d'assimilé derrière toi, tu peux avoir les chefs d'État de la région derrière toi. Moi, c'est Talon. Talon, moi, c'est moi. C'est moi qui suis le président. Donc, je vais t'arrêter. Il n'y aura rien. C'est comme il a sa phrase fétiche là. Vous allez en souffrir. Vous ne ferez rien. Aujourd'hui, on a arrêté Riki Amadougou, il y a Fonassime qui est là, bon, je ne sais pas ce qu'il a fait, il y a Ouattara qui est là, je ne sais pas ce qu'il a fait, il y a Alpha Condé qui est là, il y a les Macky Sall qui sont là, donc qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Donc si Riki est en train de passer ces heures-là et que ses chefs d'État sont toujours là, mais c'est pour dire que Talon, il est toujours tout ça. On est qu'au début. Non, on est qu'au début, regardez. On est qu'au début de l'affaire. Vous imaginez, attendez une seconde. Je ne perds pas de vue que Riki a réussi ce coup-là en mobilisant ou en concentrant tout sur lui. Depuis sa candidature, on ne parle que d'elle. On a même oublié carrément Talon. Oui, lui, c'est ça, je ne refuse pas. Riki, c'est quelqu'un qui fait de la communication. Oui, elle sait communiquer. Pour ça, il n'y a aucun problème. Je dis, Talon, c'est vous qui disiez tout à l'heure, Talon, Riki Amadougou a des réseaux tellement puissants. Il a un cadet d'adresse fournie. Mais Riki est en train de passer plusieurs heures déjà dans son lieu de détention. Là où elle a été arrêtée, elle est mise quelque part. Mais ces réseaux-là sont où? Si ce réseau a été tellement puissant, peut-être Riki Amadougou n'avait même pas fait deux heures. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je comprends ce que vous dites. Moi, je ne vois pas Riki comme une menace qui peut faire quoi que ce soit au Bénin, actuellement. Moi, c'est mon avis, je l'assume. D'accord. Oui, donc, pour moi, Riki Amadougou, elle a un carnet d'adresse, mais Talon ne la combat pas. Talon est en train de combattre tous ceux qui sont derrière elle. C'est ma vision. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut. C'est-à-dire, quelle issue pour Riki Amadougou? La prison, c'est la criette, on sait ce que c'est au Bénin. Donc il faut penser case prison, contrôle judiciaire, donc elle se tait, tu ne parles plus de cette affaire. Non, je ne crois pas qu'elle est aussi une dame facile comme ça, parce que Riki, je ne sais pas si vous la suivez, vous vous rendez compte que tous les pas qu'elle pose, elle réfléchit par deux. Vous avez vu que et c'est elle qui était pratiquement la première. Quand il y avait eu le coup de feu, le fusillade là concernant l'enfant qui était intervenu tout de suite, fait des communications, communiqué. Elle a alerté tout le monde que voilà, au Bénin, il y a un problème. Donc c'est pour cela que je dis que ce que Firmin dit, c'est vrai. On n'est qu'au début de l'affaire. On va voir la suite. Même ce qu'on est en train de montrer là est facilement démontable. On dit quelqu'un qui est proche de lui a pris des sous et allait remettre à X. Et comme quoi, on demande à ce dernier de mener des activités.
bon, de tuer. De tuer, tout ça là. C'est pour faire échec à l'élection présidentielle. Voilà, non, non, Talon veut conserver ce pouvoir. C'est comme Talon s'inspire un peu de ce qui se passait au Togo dans les années 70. Un peu plus tôt, vous imaginez. C'est comme moi, je me rappelle très bien quand on avait pris les étudiants au Togo, je ne sais pas, de 30 avril 2004. C'est comme quand on les avait pris à l'université à l'époque, il y avait eu des manifestations. Et puis, à la télévision, il y avait un homme entré qui disait, bon, nous les avons pris, ils disent avoir été manipulés par les partis de l'opposition, ce qui n'était pas vrai. Ceux-là qu'on avait pris à l'époque, vous imaginez. Donc, Talon est en train d'aller dans les profondeurs du Togo des années 70. Vous imaginez, donc, il est en... Est-ce que Talon connaît le Togo des années 70? Je voudrais revenir un peu sur ce que Firmin disait, que est-ce que Rikia Mandungu est une menace, oui. C'est-à-dire il faut prévenir les situations au lieu d'avoir à les gérer. Mmh. Et c'est en cela que je dis que Talon est plus malin que son prédécesseur, parce que maintenant, peut-être qu'il n'a pas vu venir, il n'a pas perçu la force de Rikia Mandungu. Maintenant qu'il s'est rendu compte, il veut parer au plus pressant, faire en sorte que la situation se dégonfle tout de suite. Parce que je disais tout à l'heure que Rikia est en train d'agréger les ressentiments. C'est-à-dire que tous ceux qui sont au Bénin aujourd'hui, qui n'ont pas pu trouver un chef de file digne de ce nom pour les entraîner dans le combat contre Patrick Talon, je crois que ceux-là sont en train de retrouver une figure qui puisse porter leur combat. Et je crois que c'est là le danger. Si le président Talon ne sait pas voir en cette posture qu'incarne aujourd'hui Rikia Mandungu une menace éventuelle, je crois qu'il va avoir tout faux. Il aura une situation plus sérieuse à jouer, à gérer, si il ne prend pas la mesure du danger que peut pas danger au sens je sais pas comment le dire, pas danger parce que Rikia Mandungu ferait des activités illicites, etc., mais seulement en termes de popularité. Et nous disons que le ressentiment qu'on vit aujourd'hui au Bénin est tel que il suffit du moindre étincelle pour que le Bénin s'embrasse. Parce que certains, ils ont la volonté de faire quelque chose, mais la volonté, ils n'ont peut-être pas la volonté, l'énergie de se lever pour aller au combat. Quelqu'un peut leur communiquer cette énergie-là qui leur permet de se lever, de poser des actes. Et je crois que celui-là, c'est Rikia Mandungu. Si le président Talon ne prend pas la mesure de cette situation, je crois que on dit gouverner, c'est prévoir. Et il ne prévoit pas tout simplement. Parce que dire qu'elle a des carnets d'adresse et qu'aujourd'hui, Talon va se dire, je vais l'arrêter et vous ne pouvez rien faire, vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Mais c'est que le Bénin est en relation quand même, le Bénin est en relation avec les autres pays africains. Voilà. Le Bénin ne vit pas en autarcie. La dernière fois que le Nigeria a pris le Bénin à la gorge, qu'est-ce qu'il a pu faire? Qu'est-ce qu'il a pu faire le super président Talon? Il n'a rien pu faire. Il a dû aller se déplacer vers... le président nigérien pour négocier. On a enlevé un peu le genou de sa gorge. Je crois qu'il n'est pas aussi puissant que ça, mais il doit vivre en relation. Lorsque tu vas te mettre à dos le président togolais, le doyen, qui peut céder de la diplomatie. Le président Faure n'est pas un petit quand même. Peut-être il n'est pas très âgé, mais il en a vu. Lorsque vous mettez à dos le président Ouattara, vous mettez à dos Macky Sall, vous mettez à dos presque tous les présidents. C'est comme si vous êtes un pays qui vit en autarcie. Vous n'avez pas de relation avec les autres. Il vaudrait mieux qu'il décélait pour voir ce qu'on peut faire. Peut-être qu'il va libérer Rikia Mandungu et la contrainte en exil, mais seulement aujourd'hui, le monde n'est plus ce qu'il était hier, parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, on peut être au Togo, on peut être au Sénégal, on peut être aux États-Unis et avoir une activité sur le web qui fasse en sorte que les gens vont sentir votre présence en permanence. Et cette dame sait le faire. Donc, je crois qu'elle n'est pas partie pour amuser la galerie. Il vaudrait mieux que le président Talon, si tel est qu'il est un super président intelligent, se dise que, ben voilà, il faut que je prenne la mesure, c'est il faut que le Bénin ne s'embrasse. D'accord, mais si on va aller à la pause, la grande pause, et nous revenons après le journal.